L'association Katulati a lancé officiellement le projet Wasiro Klonu, où comptons les ODD. La cérémonie de lancement a eu lieu ce samedi 30 octobre 2022 à la bibliothèque Bénin Excellence de Zobadje, dans la commune d'Aboumé Kalavi. Les membres de l'association Katulati ont constaté depuis un moment que les acteurs culturels, de façon générale, les artistes de diverses disciplines en particulier ne sont pas suffisamment investis dans la contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous sommes partis de là et nous avons dit, nous n'allons pas faire cavalier seul. Nous avons décidé, en dehors des cours que nous avons suivis sur Internet, nous avons décidé d'impliquer, par le biais donc de ce genre de projet, d'impliquer davantage d'artistes et d'acteurs culturels dans la contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce projet, qui a pour but de vulgariser les objectifs de développement durable par les arts de l'oralité, compte toucher plusieurs jeunes. Tout ce qui concerne les ODD, moi j'apprécie ça personnellement. Et c'est un projet culturel que je salue. Parce que ça va aider la population à être en contact des principes des ODD. Selon moi, on a besoin d'informer la population sur les ODD et comptons les ODD. On sait tous que les comptes jouent un rôle de communication dans la société africaine. Et déjà, comptant les ODD, je pense que les communes ciblées seront informées des objectifs du développement durable. Le projet Comptons les ODD, qui entre ainsi dans sa phase de mise en œuvre, est subventionné par le programme AWA avec le soutien de l'Union européenne.